Today, one of the guests that we have is a very interesting guest. He has a very interesting story, uplifting story to tell. I wish we could have done this interview entirely in English. But unfortunately, since the broadcast is for the Haitian community as well, we will mix it from English. We'll do some Creole, of course. And my Spanish is not that good, but we'll stay Haitian, right? Haïtien parle Creole, nous parle toute langue finalement. Mais invité ça comme gagne journée aujourd'hui, son invité spécial, li très particulier et ça qui intéressant la donne, dans invité ça, li gon histoire qui très intéressant et me souhaiter que nous pral prendre temps nous pour nous tendre histoire jeune homme ça qui ensemble avec nous. Li ensemble avec nous sur plateforme virtuelle télé image même pral présenter nous li. Et franchement, sous beaucoup aller chez bord pour chita pour tendre pour suivre mission ça, m'a invité au faire kounya là ou gain temps pour faire et puis brancher jusqu'à fin interview ça, émission très intéressante journée aujourd'hui. Il s'agit de Enrique Blanco Joaquim. Enrique was born in Puerto Plata, Dominican Republic, to a Dominican father and a Haitian immigrant mother. He was raised in the Baté, a poor community where people lived and worked in sugarcane plantations. But at the age of 20, Enrique went to Santiago de los Caballeros for more studies. He went for his college. He is today a physician, a motivational speaker, English and Spanish teacher, director of American Accent English School, AAES, a community leader, and a book writer. Bienvenue à Télé-Image. Avec un pile plaisir, Nabjou. Eh bien, welcome, Enrique. Qui j'en ouye? Bon, pour commencer, merci pour l'invitation. Je vais vous dire une salutation fraternelle à vous-même, Barrio Saint-Louis. Et puis tout le monde qui a pu tenir dans ce moment-là, je voulais dire merci parce que vous prenez le temps pour être capable de tenir nous. Jacques Valéo dit là, nous sommes Enrique Blanco Joaquim, c'est un Dominicain d'origine haïtienne qui est évidemment né dans la République Dominicaine. Nous ne pouvons jamais oublier les racines. Comment est-ce que vous avez dit? Tout le monde est Tout bien en forme, moi merci. Et j'ai plaisir et même honneur pour parler avec un médecin ou docteur qui a pratiqué en République Dominicaine. Et je conseille avant d'aller me reloger dans la clinique ou occupé ou prendre soin des patients. Je suis obligé et quitte aller parce que tu as travail. Je parle tout avec un écrivain, un jeune garçon qui écrit un livre. Et je regarde le livre là. Le livre est très intéressant. Son livre qui a parlé de vie. Voilà. Voici le livre. C'est ça. C'est un livre qui est évidemment basé sur l'histoire d'un jeune garçon qui fait dans une communauté qui est enveloppée par la pauvreté, mais malgré pas de mal d'espoir, bon Dieu d'abord, te permet nous passer à suivre des bottes, cochon camion dans le pays, ça, à devenir un médecin, professeur langue anglaise avec langue espagnole. On a donc nous motiver jeunes monde pour nous. Sur YouTube, sur Facebook, dans plusieurs zones. This is beautiful. C'est ça. Et nous parler d'abgale livre là. The title in English is A Warrior of Life. En espagnol, Un Guerrero de la Vida. Enrique, nous parlons parler d'abgale livre là, c'est vrai, mais c'est ça. Mais je voulais d'abord, pour édifier mon abgado là, qui peut-être la première fois fait connaissance ensemble avec vous, en parler de histoire vie. Racontez-moi un petit peu qui est qui Enrique et Joaquim Blanco. Non, déjà assez panyol comme ça, mais on reconnaît qu'aux deux racines haïtiennes. Donc, on a commencé dans Baté là. C'est dans Baté en République Dominicaine qu'on fait. Situé qui côté fait pour nous, expliquez-nous qui j'en s'atteye et grandi dans Baté, qui est-ce qui papa, qui est-ce qui maman. Bah, nous histoire pour nous comprendre. En fait, mise en contexte. Bon, ça c'est une belle question, Valerio. Merci pour la question. Premièrement, pour me dire, yon batay, c'est une communauté côté haïtien qui habite vini de Haïti, à pays ici là, qui c'est République Dominicaine, pour travailler na Kan. D'accord? Moi-même, comme histoire pam pa deste pam, moi-même, moi te fait dans une famille mixte. Moi-même, qui c'est yon haïtienne, papim qui c'était yon dominicain. Malheureusement, il est décédé en 2011. Nous avons eu la chance de faire dans une bataille qui est située à Imbert, Puerto Plata. À un âge vraiment jeune, à 12 ans,
Lèkè mamim te fèm, malouzman, papim pat la pou mwen, papi biologik pam pat la pou mwen, malge papim te ou nan sel la ki se bonje de toujou la pou mwen, a l'âge de 12 ans, mwen te oblige rentre travay informelman nan kou sa wè le siye de bot la. Yu lè san espanyol, limpia rotas. De 12 ans a 15 ans, mwen te deja yon ekspert nan domen siye bot sa, e pi mwen te vinge yon chans pour de travailler dans un bus avec un dominicain Jacques qui est en Haïti à tako coche camion malgré cela il est vraiment différent ce sont des gens qui vraiment propres mais son travail informel malgré ça moi pas jamais oublier l'école moi malgré moi t'a tié bon moi était coche camion dans bus là moi était toujours étudier si par exemple moi t'a l'école le matin mal travail dans après-midi là que moi j'ai 18 ans moi vinn jouer un travail formel chez mon call center côté que n'a parlé en anglais avec client et puis tout moi t'ai profité de faire tout ça pour être capable simple corps pour payer université une fois que moi j'ai 20 ans moi rentré à Santiago côté que moi habite dans moment ça là pour être capable étudier médecine bon Dieu fait moi t'ai prend deux carrières à la fois médecine avec langue anglaise là pour langue anglaise là le fait que moi t'ai lauréat dans classe moi yo te vraiment étudier États-Unis Utah State University moi t'ai fait une maîtrise là-bas dans langue anglaise là là que moi retourne États-Unis moi t'ai obligé stopper médecine pour un petit moment moi t'ai devenu professeur anglais dans une université ici là dans pays dominicain là que moi gradué dans médecine moi gradué lauréat il y a là moi vinn joindre chance pour capable tout rentrer travail tant que médecin ça veut dire m'a fait pratiquement tant que médecin dans pays dominicain pas oublié nous connais histoire des pays d'abord c'est comme si de Gazou Valerio c'est comme si c'est Moïse qui était fait dans Égypte Moïse tant que hébreu moi tant que haïtien qui fait dans pays tant que Égypte moi tant que dominicain côté pas vraiment remé hébreu non mais j'entends dominique pas vraiment à remé majorité haïtien. Les qui ont chance de travailler parmi eux, c'est bon de dire que faire au-delà. C'est pour ça, histoire pas, pas jamais qu'à destin. Très bien. Moi, répétez, frère, ça. Une deuxième fois, moi, mes frères, ça. Histoire ou pas forcément destin. On nous tourne dans l'histoire. Exactement. Et d'abord, on va nous tourner dans l'histoire pour nous détailler, parce que nous, en grosso modo, nous, on résumé. Et bon, ma dolage, ou pas être très jeune, et j'en ai une histoire là, où il semble qu'on va parler jusqu'à ce qu'il dans 20 ans, mais là, on va parler avec moi là, dans un moment là. Qui l'a joué, Enrique? Bon, moi, justement, accompli 29 ans. Moi, à peine 29 ans d'âge. C'est bon, c'est une vie. Très bien. À travailler. Très bien, très jeune. Bon, là, j'ai grand monde. Très jeune, quand même. Ça, bon, relativement très jeune. En nous tournant dans l'histoire, vous faites nos batailles dans Puerto Plata. Et pendant ma histoire, moi pas mentionné non papa non maman, est-ce que ça dérange vous pour dire nous qui est-ce qui maman, parlons type ba nous non maman, non papa, qui est-ce que bon, pas de problème. Nos papi c'était Enemencio Blanco Batista. C'était un dominicain qui était fait San Isidro et qui situé dans l'est dans pays là. Il était venu obligé à habiter à Puerto Plata pour travailler. Moi même c'est Rose Alta Gras Joachim. Il est toujours là avec nous, grâce à bon Dieu. Il était mamie, il était papi. Il était joué deux rôles là, deux fonctions, mamie avec papi. C'est pour ça que je suis toujours dans l'honneur et le respect. C'est ça. Et mon macro, il est là. Il est là. Dans la signature, il est signature. Exactement, Joachim là. Dans la Dominicaine, il est là. La pression va premier signature, papi. Deuxièmement, c'est pas mamie. Moi comprendre. OK, nous comprenons ça. OK, donc et maman, c'est maman qui t'est venu couper canne en République dominicaine, en parler Jean pour ne parler hein. Il vient couper canne dans bataille en République dominicaine. C'est maman qui t'est venu et puis il rencontrer avec papa qui sont dominicains à Puerto Plata et puis il y a venu guerre ou même qui c'est Enrique qui fête dans bataille. C'est ça, si me comprenne bien. Ça c'est une belle question nous pour mettre en clarification là. C'est pas maman même en réalité qui t'est venu couper canne et papi met la que dominicain qui était responsable haïtien qui t'a coupé canyon les mêmes wall passé tout sont des capataz donc on dit par exemple c'est comme si tu as un superviseur mounio il était gain wall ça
Pendant qu'elle a supervisé, bon, comme une zone nation, zone qui mélangée, qui est dominicain haïtien, dans un quartier populaire, OK. moi-même, j'ai habité dans la zone nado. Nous sommes une zone, nous avons coupé quand, nous avons la groua. Groua, c'est comme si c'est machine qui levait canyon pour mettre dans un truck, un big truck. Elle veut dire, c'est dans le sens ça. Papim, étant qu'un superviseur haïtien qui travaille là, moi-même qui était dans le quartier, je suis venu rencontrer. Heureusement, moi, j'ai fait une OK. relation ça. Très bien. OK, très bien. Merci pour précision. Ou tu as une chance ou connaître papa ou dit que très bonheur dans vie, il est pas là, il est allé et ou gain un souvenir de papa avec maman, ou gain un souvenir de enfance ou ensemble avec tous les deux ou bien maman seulement. Ça, c'est une belle question. Hein? L'effet que Papim, tu as voyagé en Dampéia, dans plusieurs zones, moi, pas vraiment de chance pour te recevoir à chalet Papim. Cependant, avec mamie, moi, j'ai un pile souvenir avec mamie, c'était toujours là pour moi. Il était même joué double rôle, mamie avec Papi. Malheureusement, Papi, Très en bien. 2011, dans le travail en pile, il vient souffrir un heart attack. Et puis, il vient mourir à cause d'un problème dans le cœur. Oh, OK. On va parler de maman ou bien papa, là. Papim, papim. Papi, OK, papi, on parle encore. Et maman, qui j'en lié? Bon, et mon cadeau, il est vraiment femme. Si on femme, j'aime si on bataille, hein? Pour qui ça me dit ça? Les gagne nous trois, les fait nous trois devenir professionnels. Par exemple, grand semblant qui sont avocats, ici de là. Femme Ah, là, c'est qui sont bien. grand semblant, qui sont chanteurs des États-Unis, Joanie El Negro, capable de Kissimmee, dans Orlando. Les fait nous Ah trois, oui. avec force courage, devenir des professionnels. Belle bagaille. Bravo pour femme voyant ça. Et si pas regarder l'interview, on va Merci, saluer pour merci. moi. Non, non, pas dans notre téléimage, à tout le monde qui a regardé. Eh bien, nous avons une grosse salutation en pile d'amour pour gros femme voyant ça, qui, je viens de dire, permettre de nous faire connaissance avec vous. OK, deux enfants sous Kounia, on a fait tirer dans l'enfance yo, parce Recevoir, que li merci en intéressé pile. li recevoir, c'est ça, avec un pile d'amour. On parle de enfants sous, on a baptisé, font-ils expliquer nous qui j'en satire pour on a baptisé. Parce qu'on parlait de jusqu'à 12 ans, il semble t'alors te dit ou t'es dans baptisé, ou t'as vivre évidemment avec maman, qui j'en satire, qui j'en bien satire et pour moi qui pas connaît ça on baptisé, essayez expliquer nous qui j'en enfants sous de leur fête là à 12 ans qui j'en satire. Bon, là que vous parlez au monde de un bataille, dans le pays ça, c'est comme si vous parlez au monde de une zone marginale. Par exemple, là que vous dites au monde sorti dans un bataille, c'est comme si une zone dernière classe. Nous sommes normalement, objectif par eux, c'est lever, manger, reproduire, dormir et puis t'en la mort. Pour bien dire, Valério, dans le bataille que vous sorti, moi, c'est le premier monde qui est dans l'université qui gradué. À cause de ça, il y Ah a plus bon. jeune, il y a fait effort, il a émulé un travail par nous. Et heureusement, nous ne voulons pas vanter tête nous, mais pour nous faire nos grâces, nous faire nous identifier objectif nous, ce n'est pas seulement lever, dormir, manger, vite la mort. Il te dit, OK, parmi foule ça, pas guéillon qui pourra tracer un exemple. Évidemment, pour nous travailler avec moi-même, il fait que, à cause de moi-même, un plus jeune qu'il y a là, recevons de motivation. Motivation. Je viens où la vie est différente. Si tout Valério, en plus qui fait dans le pays, a pas gain accès ou bien chance, gain document qui c'est cédula, document d'identité pays, Très bail bien, et très bien. citoyen dans le pays, pour capable jouer Oui, pour droit capable vivre dans le citoyenneté pays. par moi-même. C'est. Exactement. Le fait que moi gain D'abord, vin sou sa ensemble avec vous. citoyenneté dans le pays, moi gain tout droit, donc on dominique normal. OK. Moi, comprendre. OK, on vin sou sa. D'abord, vin sou sa ensemble avec vous. Parce qu'au fait, et sous terre, au fait, et n'importe où, enfin, et Koloteya et Port-au-Plata, c'est ça? C'est là qu'on prend naissance. Exactement. Et papa dominicain, c'est papa qui boit nationalité a, ou bien qui j'en sais. Parce qu'on connaît que ça, son sujet assez délicat et dominicain pas trop et favorisé haïtien, même leur fait sous terre, ils pas même reconnaître ou même, ils même bon nationalité a. Font-ils parler de ça pour nous? Qui j'en sais pour même, parce qu'on dit ou même ou sont dominicains et natifs natal, d'après ça que vous faites nous comprendre. Qui j'en sais fait? C'est papa qui boit nationalité a, expliquez-nous. Bon, ça c'est une belle question. Il y en a façon ou capable de jouer la nationalité, il y en a par rapport
c'est citoyen pays. Le fait que papin, c'est un Dominicain natif natal, je viens de chance de jouer un papier ça. Cependant, Valerio, ce n'est pas tout le monde. Écoutez bien, si vous avez des parents qui sont haïtiens, qui ont un statut irrégulier, ou pas de jouer un papier ça. C'est-à-dire, si ma mère est haïtienne, papi est haïtien, yo pa gen yon statut régulier tant que résidence ou bien cédula, malheureusement ou pa jwenn papye sa. C'est pour ça en pile moun Valerio et nan yon situation qui vraiment critique, yo vin devenir apatride. Ou pa konnen nan ki bò kanpe. Est-ce que yo c'est haïtien ou bien dominicain? Malgré yon fait nan pays, malheureusement yo pa gen yon identité propre Valerio. Très bien. Merci pour l'explication ça. Mais ou même ou pas gain ces dollars, ou même ou gain nationalité à Pito. C'est-à-dire ou pas gain résidence, mais ou gain de nationalité dominicaine. C'est correct. Bon, une fois qu'on gain nationalité à Valerio, yo tout boyon ces dollars. Avec ces dollars ça, ou capable de dire c'est dominicain. Avec tout ou pas faire passeport dominicain pas. Elle dit ou quand même poser candidat à la présidence pays ça, le fait qu'on gain identité ces dollars. Ça parle bon nationalité dominicaine. Très intéressant. Donc, ou quand un futur président de la République dominicaine là, qui parle avec nous, là, nous ne pouvons pas nous connaître. C'est tout à fait possible. Bon. C'est une bonne blague. Vous êtes marqué pour député. Pour député. Dans 2020, là. C'est ça, c'est ça. Vous considérez comme haïtien ou bien comme dominicain? Nous connaissons que vous réclamez haïtianité. Nous connaissons ça déjà. Mais vraiment, dans le fond intrinsèque, vous considérez de nationalité dominicaine ou bien haïtienne, ou même personnellement? Si vous posez question, ça qui sont à répondre. Bon, bah, mais c'est ouvrir parenthèse. Moi, pense que je suis activiste. Dans qui ça? Moi, c'est pro-humain. Okay. Chaque jour, chaque 3 heures par jour, je prévise tout le journal dominicain. Parce que Dominique, vous avez devenu victime. Tout mal qui produit dans le pays, c'est haïtien pour des causes. Moi-même, c'est yon nan peu moun kap komante en bas journal yo, ap defan droit haïtien yo. Mde ka di, malgré moi-même, moi c'est dominique par nationalité, moi senti racine moi, racine haïtien nan moi-même. Moi pas bon menti. Et moi defan nation haïtien moi, comme ça doit. Moi-même vraiment clair sur ça. Malgré malheureusement, moi pas gen identification haïtien nan, mais moi-même, Valerio, moi, c'est un haïtien natif natal. A dit, nous quand ça passer na boulé comment elle là, m'a l'école moi à l'aise, dans mis dans Dominique comme haïtien. Oh, ben, évidemment, nous ça d'ailleurs. Mais maintenant, ou gain un nom très dominicain, si moi li nom, moi tande nom, m'a pas penser que ou son haïtien et qu'on parle créole, je m'a faire l'ensemble avec nous, mais les moi ouais. Et nous pral carré, nous pral faire carte sur table dans interview ça, c'est comme ça l'interview ça au fait. Les moins ouais, couleur pour ou moins immédiatement pour le dire puisque on vient en République dominicaine que ou sont descendants haïtiens, m'a pas penser qu'on est haïtien la caillou. Et ça me se dit là, c'est sûr certain que grand pile dominicain qui sous île qui sous terre même qui pensait même genre. Est-ce que qu'on nous pas faire ouverture pour parler avec nous pour dire nous est-ce que ou même pas fait face avec et ben racisme ça. M'utilisons mot très fort parce que gain racisme en tout cas dominicain yo, pas toutes, nous pas généraliser pour personne monde. Est-ce qu'on fait face à discrimination à cause de couleur peau? Et l'œil ou est noir et que ou paraît en face moun yo, est-ce que l'attitude a changé? Font-ils parler de ça? Parce que vous vivez en Dominicanie, ou en Dominicain, ou Dominicain en quelque sorte, mais ou certainement d'épiderme très noir, très foncé, ou sont haïtiens, qui vient Dominicain au trito? Bon, dans le pays, ça a un préjugé de couleur, malgré la composition raciale pays. Plus que 57% de la population, c'est mon noir descendant africain. Cependant, Valerio, dans le pays Salam Kadi, chaque jour, moi-même, je subis du racisme, même la xénophobie de Kadi. Dans quel sens? Normalement, les gens qui fréquentent un Dominicain, qui sont dans la classe bas, les gens qui sont noirs, qui sont éduqués, ça va être une frustration, une aigrie. Moi-même, au commencement, 27 février chaque année, ça c'est une frustration pour moi, la fête indépendance. Il y a des signes haïtiens qui ont pris l'indépendance. Moi-même, je ne vais pas mentir. L'époque où tu as commencé à faire l'école, moi j'étais vraiment frustré. Moi j'étais vraiment comme, pas même voulait parler créole devant Dominique. L'époque où ça a appelé profondément,
Jacques Emmanuel Kant, c'est un philosophe allemand, il dit, les habités, les vins qu'on appelle culture, chaque, sans qu'il va monter en avion, à travers la lecture. Moi, je commence à appeler en pile, je viens découvrir, je ne pas ignorer race moins, sam, race moins. Premièrement, génétiquement parlant, qui c'est en partie externe, moi, j'ai toutes les caractéristiques, yon haïtien. Deuxièmement, moi, conscient que moi-même, c'est haïtien. Et moi, parler créole. Non seulement parler créole, parler l'autre langue tout. Pour ça, je ne peux pas nier côté me sortir. Les qu'on connaît quand on sortit, ça fait au plus gros devant les hommes. Mais les qu'on ignore quand on sortit, mon accord est soyé, mon accord est racine, mais les qu'on ignore, ça les rit. Ils disent, oh, mais c'est haïtien, malgré le fait la propagande dominicaine. Comment absent-il les qu'on connaît quand on sortit, on ignore la race. Mais vu qu'on est habitué avec façon dominicaine, moi, je démontre que moi-même, c'est haïtien, malgré moi, je suis citoyenneté dominicaine, mais moi-même, race haïtienne, moi, tout. Moi, pas d'accord, je vais parler mal haïtien devant. Là, qui parle mal haïtien devant, intellectuellement parlant, on va faire une discussion. Si ma discussion pour aller devenir une discussion dispute pour goûter, mais pas ça vague. Moi, pas discuter avec moi qui parle goûter. Nous faut logique qui est basée sur ce qui fait sens. Mais, Valério, c'est chaque jour. Chaque jour, dans la classe moyenne, il y a des discriminants, les combats au dos. Les face à face avant, il y a autant qu'intellectuels, il y a bon valeur. Mais des ados, ou bien des vents, soit qui ont parlé d'autres haïtiens pareil ou mal, qui fait mal, ou bien ils voulaient parler de sujets haïtiens. Mais ça qui, ça c'est dans la classe bas, même dans la figure, ils voulaient discriminer. J'essaie des mots, par exemple, expression péjorative qui est employée, tu peux dire messier, ou bien dire caché, ou bien dire moreno. Moi, ça vraiment est choquant, tu peux dire nigger aux États-Unis, mon nom vraiment offensé. C'est comme Je ça. comprends. L'utilité haïtienne de radio vraiment mal. Surtout de nos jours, journaliers voulaient créer une sorte d'animadversion parmi deux peuples. Tout ça qu'haïtien a fait, ils voulaient mettre sous journal. Même si haïtien a pas fait, yo obligé éventer pour dire ici en fait puis mettre dans tête dominicain qui ici au bas bon mais ça fait nous mal malgré ça nous pas vraiment ignorer racine nous c'est racine Très nous bien. peu importe côté nous passer C'est ça. il fait partie de notre culture nous identité pas nous. Bravo pour et courage ça qu'on gagne parce que nous connaissons, nous avons des cas que nous connaissons de Haïtiens qui ont même victime, qui ont même perdu vie parce que tout simplement ils ont Oui. déclaré fierté d'être Haïtiens dans le pays dominicain et puis ils ont victime physiquement, on ça c'est sûr. Nous songeons un cas que nous-mêmes personnellement nous avons couvert dans la ville Santiago. C'est Katuliléa que yo te pan son place publique, ça te fait nous mal en pile et nous t'al couvri en face, face à face, nous t'al rencontré et d'autres confrères dans les affaires médias pour nous comprendre ce qui t'est passé haïtien ça. En avance. Nous pas avancer qu'on y a là pour nous parler d'un parti dans vie qui intéresse et qui pourrait intéresser tout le monde qui a regardé là yo. Et c'est parti ça à côté que vous parlez de Koto Sotia, ou faites nos baptêmes, évidemment, ou bien originaux, maman, papa, etc. Mais c'est ça qu'on fait pour arriver sur hier, je ne veux dire. On commence d'abord par faire travail, ça y est, on chante. En bon créole, et par contre, ce qu'on mot ça, pardon, en créole, et c'est pas un nom, son mot, c'est un adjectif pour dire que moun kap sire souliers, sireur de chaussures, sont chanteliers. C'est qu'on soit commencé. Qui j'en fait entrer dans nettoyer souliers, enfin, dans faire chant en République dominicaine. Même moi-même personnellement, j'ai rencontré un jeune petit garçon haïtien, tout, j'ai welcome et bon nettoyer souliers, monde défend pas là avec lui. Et ça fait, ça transpose carrément à l'image ça que j'ai vécu, j'étais Santiago. Et c'est comme si c'était là ou même qui a fait travail ça. On ne fait pas le chapitre ça, c'est important. On entre dans faire chant dans la rue. Bon, et Valérie, pour bien expliquer, bon, chant ou bien nettoyer souliers, c'est comme si yon pratique quotidienne dans l'enfance, n'importe jeune petit monde qui fait dans la classe bas. Même un pile président, un pile ancien président du pays, t'es qu'on nettoie souliers. T'es qu'on lit d'être les Pina Gomez, même Danilo Medina, qui c'était ex-président, t'es qu'on fait. Le fait Ah oui? qu'on fait dans le pays, OK. ça, yon face normalement, on parle incentive qui parle encourager pour commencer à faire le Niveau travail là incitatif. il faut un travail OK. informel
Comme c'est un chant qui est plus populaire pour un peu de monde, nous rentrons là-dedans. En plus, on fait pour nécessité. Il y a des gens qui font tout. Et c'est plus capable de faire si nous apprenons le travail. Par exemple, si nous faisons dans la classe moyenne, nous faisons si nous nettoyons sous les pour parler de la caille. Nous ne faisons pas le nettoyage dans la rue. Cependant, nous faisons dans la classe basse, Dominique comme haïtien, nous posons ça comme une coutume. Nous pratiquons pour nettoyer sous les Moi-même, à l'âge de 12 ans, Valerio, pendant que je prends l'école primaire, si je prends l'école le matin, l'après-midi, je nettoie les souliers. Après, Dominique, je nettoie les souliers. Ils viennent une pratique pour vous. Ils font ça pour rentrer l'argent. Ils sont éduqués financièrement. L'éducation, par Je exemple, comprends. les parents, ils sont capables de faire un bon niveau, ils sont capables de compter ça, mais ils sont éduqués financièrement. Les bonnes éducations financières, sans que lui-même n'ait une connaissance scientifique, ils ne vont pas compter ça. Avec dit, c'est dans ce sens-là. De 12 ans à 15 ans, Valério, le fait que je t'ai fait pratique ça, moi, je suis expert. C'est comme si un journaliste qui commençait avec carrière, s'il gagne 3 ans là-dedans, il est devenu expert. La même façon pour moi-même. De 12 ans à 15 ans, il y a une grande transition. 3 ans dans le domaine là, moi, je suis vraiment un expert. Ça veut dire, je vais besoin de dire, on va nettoyer. Mon entourage qui me connaît, qui est expert, il tout nettoyer avec moi. Oui, je suis là, Ah oui. je suis Après ça, Ça, il y a un changement, on expère le nettoyage sous lui, ça c'est de bien. travail, de boulot. Il y a un changement de Mais boulot. dites-moi une Le question. fait que je me trouve. Un détail. Et pendant qu'on nettoie les souliers ou son chien, ou dit ou à l'école. Dans quelle école? Ou t'es dans l'école en dehors de baptisant ou bien on l'école en dehors de baptisant? Belle question. Dans le moment que moi suis à l'école là, pas l'école dans la là, je suis obligé de marcher une distance, écoutez bien, évaluer, une distance de plus ou moins 6 km. Soit que je me demande où Wow. libre ou bien mal à pied. Je me demande où libre ou mal à pied. C'est pour ça que je dis, l'école Ou à dans la l'école vie, là. là, pas jamais découragé. Hein? Parce que les gens ne connaissent pas quand on sortit. Les semaines où ils sont présents, les succès, mais ils ne connaissent pas le travail pour lui. Pareil, frère, pour succès, ou pas qu'on écoute le sorti, gens qui l'ont réussi, ou même qui voulaient réussir, travaillent du tout, mais pas pareil, frère, pareil, ça. C'est ça. Pour bien dire, on crie, ou je veux dire, je suis très vraiment fatigué, pourtant on crie en dedans, grand plus jeune tant qu'on, qui n'a pas de chance ça, pour devenir médecin, ou bien pour devenir professionnel. Pour la regarder l'histoire, Valério, je marche 6 km à l'école, je mets souliers. Premier jour, le monde a ouais, ou, mon a vle raye ou, sans raison. Ça semble toujours dire, histoire mon pas ka destin ou. L'homme, pas humilier moun, pas humilier moun, apprendre remè moun. Si gyon valè ou gyon nan kè ou, Wow. c'est l'amour, Ou a pareil parlé moun, avec un pas peu de goûter moun profondeur là. sorti. Ouais, ou pas Ou a parlé kon bien, moun ou a a parlé bien, ou sorti. rivé sous moi. Et m'a répété phrase ça que moi j'ai dit, troisième fois qu'on dit phrase ça, histoire ou pas destinée. Ou. Oui, Et c'est franchement. de ça que nous allons parler. Nous allons parler de destinée. Ou. Après poser, nous allons proposer ensemble avec vous. Parce que nous sommes invités assez spéciaux, nous sommes invités particuliers. Ou invité qui fait fierté nous-mêmes comme Haïtiens, et qui fait fierté tout le monde, tout être humain, qui a regardé l'interview ça, qui a compris que ce n'est pas histoire, c'est-à-dire qu'on est sorti, qui pour faire destinée. Regardez Henrique, Henrique fait non battre en République dominicaine, chan, ou te font t'y passer tout, ou te dit, et moun kapé fouette pour camionnette, ou te fait travail ça tout. Et Oui. nous n'a passé sur ça bien vite. Et en fond, on parenthèse sur ça. Et puis, regardez, je vous dis, ou vini, ou chita ensemble avec moi là, qu'on y a là, je parle au médecin, son docteur m'a parlé là, au médecin, qui a professé en République dominicaine, qui écrit un livre, et puis qui réussit finalement. Nous allons parler de l'aspect ça après posant. Mais avant posant, font tirer aller rapidement. Font une parenthèse sous, et en Haïti, bon, qui j'en ai le nom, mais messieurs qui sont pour aller au gagnant, qui a pris le gagnant, qui a pris un pli camionnette pour le monde capable de faire trafic là. C'est ça que tu fais, toi, en quelque sorte. Faut tu parler de chapitre ça dans le Bon, jour? c'est ça. Vous connaissez, malgré normalement, les bagues sont ensemble avec si, tap tap yo, mais c'est même travail là, Oui. normalement. Si on bus, OK. on a un propre, il y a un bus normalement, uniforme sous, C'est ça. côté que les passagers rentrés, c'est pas mon sou, mais j'aime l'haïtien, non? Si il y a 10 places, c'est pour 10 moun, moi-même, moi n'en place pas, C'est ça. moi, touche l'âge dans même moun. Pas qu'il y a un système avancé, côté que, ou seulement passion, il y a un plastique cadre, ou pas,
Nous avons cité un monde qui recevait l'argent, mais moi, je ne sais pas qui monde qui a employé à part des coches camions, parce qu'en Haïti, c'est comme ça que moi, je suis. Mais c'est là, il y a un collecteur d'argent, je connais. Et mon caprice va la chambre. Non, mais c'est un travail qui est propre. Premier jour, c'est pas poussière, okay. Un bel bus, ou chita là, doit toucher. Très bien. Hein? Et mon a, il paye pour service là, il monte machine là, ou touche la mille avec tout uniforme. C'est un travail qui est vraiment propre. Je ne sais pas si vous avez un concept ou bien un mode qui est employé. Mais c'est pour ça que nous avons des produits en Haïti, c'est un travail propre. C'est ça. Et pour qui ça est important et pour faire description ça pour nous? Parce que nous-mêmes, en Haïti, habitués, eh bien, monsieur ça, jeune garçon ça, Timoun ça, tout le monde voit qu'on fait, le capé rempli camionnette pour chauffeur, c'est dans la poussière, c'est dans la saleté que vous avez, vous avez même rad sous vous dans mauvaises conditions. Et là, ça pourrait rappeler nous encore une fois que sous même îles ça, mes amis, il y a deux pays. Il y a une qui est Haïti, qui est le premier pays qui prend l'indépendance, li, nan men, eh bien, colon. Et puis l'autre qui est à côté, la République Dominicaine, sous même zile, ça a une grande différence. Et un jeune coureur qui a époque dans la vie, qui a fait travail, rempli camionnette pour chauffeur, ce n'est pas même bagarre. On se dit là, ou même ou habillé, ou gagné, formé, un système qui peut faire barrio, ou propre, et travail ça, son travail qui a une certaine dignité quand même la donne. Tandis qu'en Haïti, si c'est en Haïti, tu as fait travail ça. Et si c'est en Haïti, tout est chant et tout, forme douce, Enrique. Et tu as une autre perception de vous-même. Monde, tu comprends ça. Exactement. C'est ça. Mais ça, son travail, même ex-président pays a été même ex-président, majorité ex-président, yes, c'est ça, ce qui montre la différence. Merci pour la précision, ça, Kopote. Oui. On prend pause parce que après pause, on voulait tourner avec vous-même jeudi. Nous voulons camper personnage devant tout le monde qui a regardé là, présenter formellement, pour nous voir que malgré qu'on sorti dans toute misère, ça, dans toute et passé histoire ça destiné aujourd'hui à son lot causé et au bon livre qu'on sorti avec que nous parlons parler de ça après pause là. And by the way, this is an interview we could have been doing in English because Enrique speaks fluently English, right? Enrique, donc on parle anglais, espagnol, créole, là, ou parle tu français tout, Enrique? Non. Regardez pour nous. Vous connaissez pas les français pour ici. Vous connaissez les bouchons. Vous comprenez. Faut pointer les bouchons, vous comprenez. Interview très intéressant. Je peux parler français. Je peux venir parler que... un petit peu. Un petit peu. C'est bien ça. Voilà. Bravo pour ça, Enrique. Franchement, c'est un plaisir pour nous comme invité. Émission vraiment intéressante. Nous-mêmes qui branchons Cap Gardé, eh ben, nous allons parler de destinée. Qui a pris forme ni devant Enrique, destiné à fête. Ensemble avec nous, on va parler de ça. Et le livre, certainement, que Enrique écrit là, qui est vraiment très intéressant. Il était branché, pas débranché, s'il vous plaît, parce que invitez-nous en spécial et franchement, n'a pas pris en pile de livre. Il était branché. À tout de suite. La parfumerie de Barbara, a chic little boutique, located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, La Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent. Sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants. Des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être. Le savon français, mon savon. Toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Missanti, Activilon, en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélomanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors retenez l'adresse de la parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin,
Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516-805-2318. 516-805-2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. C'est parce que femme dehors, pis douce. On va parler en conséquence de cause, ou qu'on va dire ça très bien. Est-ce que, non, moi, de où, est-ce que ça va dire très bien, ou bien on va dire ça comme ça? Garçon haïtien, bon, oui, mais au cheat trop. On va mettre cheat trop. Qui est-ce qui fait au cheat là?